Je vais vous raconter l'histoire de mon ami Léon. Vous connaissez bien Léon. Léon de Gonfaron. Le pays où les ânes volent. Enfin, c'est pour vous dire que Léon, c'est pas le premier venu, hein. Il est sacristain à la paroisse. Il est président du cercle catholique. Enfin, c'est quelqu'un, quoi. Seulement, le maire de Gonfaron, lui, c'est un rouge. C'est un socialiste. Et alors, il leur fait des misères aux catholiques. Il leur fait tellement des misères que Léon, il est pas content. Il va trouver le curé, il lui dit, monsieur le curé, vous savez, ça peut pas durer plus longtemps comme ça. Faut pas vous laisser faire. Ah, le curé lui dit, mon vieux Léon, moi, je peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux? Il y a qu'un saint du bon Dieu qui pourrait arranger ça. Un saint du bon Dieu? Eh bien, je vais le trouver, moi, le bon Dieu. Et puis, je vais lui dire qu'il fasse venir un saint sur la terre. Alors, comme il était du pays où les ânes volent, pas vrai, il monte sur un âne, et zou, il fout le camp au ciel. Il arrive là-haut, il sonne, et justement, il y avait Saint-Pierre qui était en train de balayer le couloir. Oh, Saint-Pierre! Oh, Léon! Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, oh, je suis pas mort, non. Non, je viens pour faire une commission. Je viens pour faire une commission que, vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, il veut faire fermer le cercle catholique, il veut empêcher les processions, enfin c'est un pastis terrible, quoi. Alors je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh bien le maire il se tiendrait un peu tranquille. Oh, je peux pas y aller, mon vieux Léon, non, qu'est-ce que tu veux, j'ai trop de travail ici, c'est moi que je m'occupe de tout. Et quand on sonne, c'est moi que je fais ouvrir, c'est moi que je fais le ménage, et non, je peux pas y aller. Et puis, tu sais, je les connais en bas sur la terre. C'est tous des arrangeurs. Des arrangeurs, et qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ce qu'ils m'ont fait? Mais mon vieux Léon, il y a 3000 ans qu'on fait la quête pour le denier de Saint-Pierre, j'ai jamais touché un sou. Non, ne me parle pas de ces gens-là, non. Non, mais écoute-moi, si tu veux, il y a le Père éternel, lui, il peut y aller, il a rien à faire, alors ça ne le dérangerait pas beaucoup. Le Père éternel? Et où il est le Père éternel? Eh ben, c'est ce vieux monsieur qui se balade là-bas avec une grande barbe en fumant la pipe, là. C'est le Père éternel, ça? Eh ben, je vous remercie, je vais le trouver. Oh, Père éternel! Oh, Léon! Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, je suis pas mort, non. Non, je viens pour faire une commission. Je viens pour faire une commission que, vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez? Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, il veut faire fermer le cercle catholique, il veut empêcher les processions. Enfin, c'est un pastis terrible, quoi. Alors, je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh bien, et votre grande barbe, vous lui feriez un peu peur. Oh, mon vieux Léon, je peux pas y aller en bas sur la terre, eh non, tu comprends. Je suis bien ici, je suis tranquille, je me promène, je fume la pipe, j'ai plus rien à faire. Non, j'ai repassé toutes les affaires au petit. Ah, si Jésus veut y aller, c'est moi, je l'empêche pas. Jésus? Et où il est, Jésus? Eh ben, c'est ce grand garçon qui se promène là-bas avec une robe blanche et une couronne de carton sur la tête. C'est Jésus, ça? Eh ben, je vais le trouver, Oh, Jésus! Oh, Léon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Oh, non, je suis pas mort, non. Tu viens pour faire une commission. Vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, nous fait des misères, alors je viens vous trouver de la part du curé, parce que je crois que si vous vouliez venir, vous, eh bien, le maire, il aurait un peu peur. Oh, mon vieux Léon, je peux pas y aller en bas. Eh non, tu vas pas, j'ai trop de travail ici, et c'est moi que je m'occupe de tout. Le vieux peu cher, il fait plus rien, il est trop vieux, alors c'est moi que j'ai toutes les affaires sur le dos. Et puis tu sais, j'y suis allé une fois sur la terre, il y a 2000 ans, et ils m'ont fait quelque chose, tu sais. Ils m'ont planté des clous dans les mains, dans les pieds, ils m'ont fait boire du vinaigre, ils m'ont escagassé. Non, écoute, je veux pas y aller, ne compte pas sur moi. Mais il y a le Saint-Esprit, s'il veut y aller, lui, tu sais, c'est un pigeon, alors ça le dérangerait pas beaucoup. Le Saint-Esprit? Et où il est le Saint-Esprit? Eh ben, tu vas aller tout droit. Tu vas voir une niche, dans cette niche, il y a un pigeon, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, je vous remercie, je vais le trouver, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit! Oh, Léon, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu es mort? Non, je suis pas mort, je viens vous trouver de la part du curé, parce que, vous savez, en bas sur la terre, ça va pas bien du tout, vous savez. Nous avons un maire qui n'est pas gentil, il nous fait des misères, alors je crois que si vous vouliez venir, vous arrangeriez ça. Vous venez en volant, vous revenez de suite, ça vous dérangerait pas beaucoup.
Oh, non, non, non. Non, ne compte pas sur moi, mon vieux Léon. Non, 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 je les connais en bas sur la terre. C'est tous des mauvaises langues. Des mauvaises langues? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ce qu'ils m'ont fait, mon vieux Léon. Mais j'y suis allé une fois sur la terre, il y a 2000 ans, dans un petit village à Bethléem, hein. Eh bien, la Sainte Vierge a eu un petit, tout le monde a dit que c'était de moi. Non, 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 j'y vais pas, ça te fait rien dire.